Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Photographe. Aujourd'hui, nous allons voir comment prendre un portrait en pleine journée ensoleillée. Je vais vous apprendre à maîtriser la lumière naturelle pour passer d'un portrait comme ça à un portrait comme ça. Allez hop, c'est parti! Tout le monde le sait, pour prendre une bonne photo, il faut une belle lumière. Et quand est-ce qu'on a la meilleure lumière? Eh bien, c'est soit au petit matin, soit en fin de journée lors du coucher de soleil. Oui, mais alors, comment ça se passe si on doit prendre un portrait en pleine journée? Et c'est une situation que vous allez retrouver très très souvent. Par exemple, pendant les vacances d'été, il est très difficile de faire un portrait à 16h parce que le soleil, il est plombant, il est aveuglant. Bref, c'est les pires conditions pour un photographe. Dans cette situation, beaucoup d'amateurs ne se posent pas de questions et placent leur sujet directement face au soleil. Pourquoi ils font ça? Eh bien, tout simplement pour ne pas avoir à gérer une situation de contre-jour. Et on va voir concrètement ce que ça donne. Et pour voir ça, je fais appel à ma merveilleuse Sandrine, encore une fois, qui va me servir de modèle pour cette vidéo. Donc, on va voir ce qui se passe quand on place le sujet face au soleil. Donc voilà, on a changé l'angle de la caméra pour que Sandrine soit face au soleil, comme le ferait la plupart des amateurs. Et on va voir ce que ça donne. Comme vous le voyez, la photo elle est pas terrible, et ça pour deux raisons. La première, c'est que quand vous prenez un portrait en pleine journée et le sujet face au soleil, vous avez des ombres très marquées en dessous le nez et sous les arcades sourcilières, ce qui n'est pas très flatteur. Et deuxièmement, le soleil est tellement aveuglant que Sandrine, là, elle plisse les yeux. Encore une fois, ce n'est pas très flatteur. Alors, comment faire? Voici mes quatre astuces. Première astuce, c'est de shooter à l'ombre. C'est bête comme chou, mais c'est un des moyens les plus efficaces et les plus faciles pour shooter quand vous avez une journée où le soleil est écrasant. Quand vous êtes à l'ombre, eh bien, c'est simple, votre sujet n'a plus les yeux plissés à cause du soleil. Vous n'avez plus ces ombres très marquées en dessous le nez et en dessous les yeux qui sont disgracieuses. Bref, la lumière qui vient d'un peu partout vient se répartir harmonieusement sur le visage. Autre avantage aussi, c'est que vous pouvez tourner tout autour de votre sujet sans que vous ayez à vous soucier de la direction de la lumière pour votre portrait. On va voir ça concrètement avec Sandrine, mais avant de commencer, je vous renvoie à ma première vidéo que j'avais fait sur le portrait en intérieur pour voir les points techniques importants pour réaliser un bon portrait basique. Donc je vais quand même faire un petit rappel. J'utilise ici un 85 mm qui est une focale type portrait. Je vais shooter quasiment à pleine ouverture pour bien détacher mon sujet de l'arrière-plan. Je vais utiliser la règle des tiers et je vais bien faire attention à remplir le cadre avec mon sujet. Voilà, maintenant on va voir concrètement ce que ça donne. Donc je me mets là. Vous voyez, le résultat est de bien meilleure qualité. La lumière est douce et le regard de Sandrine est grand ouvert car elle n'est pas éblouie par le soleil. Deuxième astuce, shooter encore à l'ombre, mais cette fois-ci ouverte sur la lumière. Tout à l'heure, on était tout à fait à l'ombre, mais cette fois-ci, on s'est mis en bordure d'une lumière. Donc là, vous le voyez, je place mon sujet à l'ombre pour que la lumière se répartisse de façon égale sur le visage. Mais ici, le sol sur lequel tape le soleil va agir comme un réflecteur pour apporter juste ce qu'il faut de lumière à mon sujet. On va voir ça de suite en photo. Allez, hop! Troisième astuce, shooter dans un lieu qui est ombragé. Ici, j'utilise l'ombre d'un arbre pour protéger Sandrine des rayons directs du soleil. Donc là, le soleil est en face, certes, mais j'utilise l'ombre de l'arbre. La chose à laquelle il faut bien faire attention, c'est que tout le visage soit à l'ombre. Voilà. Après, le reste du corps, on peut avoir des taches de lumière parce qu'on est dans un endroit ombragé, mais il faut bien faire attention à ce que le visage soit tout à fait à l'ombre et pas une partie à l'ombre ou une partie au soleil. Là, comme ici, voilà, là, ça serait pas bon parce qu'il y a une partie au soleil, une partie à l'ombre. Il faut trouver un endroit dans l'ombre, voilà, où le visage est tout à fait à l'ombre. Et on va voir ce que ça donne en photo. Enfin, dernière astuce, shooter à contre-jour. Avec une bonne technique, il est assez facile de prendre une bonne photo à contre-jour. Pour vous aider, je vous renvoie à ma vidéo sur la priorité ouverture et sur les différents modes de mesure d'exposition qui vont vous expliquer des notions comme la compensation d'exposition ou la mémorisation d'exposition. Et ça va vous aider à prendre des images à contre-jour. Mais revenons à notre portrait. Le contre-jour, c'est bien parce que 1. C'est applicable absolument partout. Même si vous êtes dans un désert
le plus total, que vous n'avez pas d'arbres, pas d'immeubles, rien du tout, et bien vous pouvez toujours shooter à contre-jour. 2. Le sujet est à l'ombre de lui-même. Quand le soleil est derrière, le visage est à l'ombre du crâne en quelque sorte. Et donc, la lumière se répartit de façon harmonieuse sur tout le visage. 3. À contre-jour, donc la lumière vient derrière le sujet. Et donc, sa forme, vous pouvez le voir sur Sandrine, une espèce d'auréole tout autour de Sandrine. Et ce qui va aider, en fait, ça aide à séparer mon sujet de l'arrière-plan. On va voir ça très concrètement en photo maintenant. Donc je récapitule, si vous voulez prendre un portrait en pleine journée, eh bien vous avez 4 astuces à suivre. 1. Vous pouvez le prendre tout à fait à l'ombre. 2. Vous pouvez le prendre à l'ombre mais ouvert sur la lumière. 3. Dans un lieu ombragé. Ou 4. Vous pouvez shooter à contre-jour. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser des flashs, des réflecteurs, des diffuseurs, mais ça, je vous expliquerai tout dans d'autres vidéos. Alors si vous voulez être sûr de ne rien louper de toutes ces astuces, eh bien, je vous conseille de cliquer juste ici pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi avoir accès à ma vidéo de retouche portrait, qui est un bon complément à cette vidéo, en cliquant juste là. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Première astuce... Tu te pèles, hein? 3e. Vas-y, je prends. On n'a pas mal à faire un 3e. Allez, c'est bon. 3e. Allez, bouge-toi, c'est moi là. Allez, je suis pas moi. Non, tu vas te mettre là. Alors mets-toi là avec moi. Je m'en fous. Non mais mets-toi là. Sur un air. Oh mon amour.